Alors, lorsque votre SS5000 est en mode contrôleur, donc là, ici, on est sur le lecteur 3 de Serato qui fonctionne. Si jamais vous voulez repasser votre platine et utiliser une carte SD, votre clé USB, du coup, vous allez rappuyer sur source et là, il va vous demander si vous voulez repasser en mode standalone. Et du coup, il va simplement redémarrer votre lecteur et vous reproposer les différents supports amovibles que vous avez. Donc moi, par exemple, ici, hop, source, il voit qu'il y a une clé, je peux y avoir accès. Si jamais je veux repasser en mode contrôleur, j'ai mon petit ordinateur avec ma clé USB, il me redemande si je veux passer en mode contrôleur, et là, il va re-switcher et donc, du coup, se reconnecter à mon mode Serato. Donc, du coup, votre contrôleur, il est en mode plug and play, ça veut dire que là, je n'ai pas du tout arrêté ou redémarré mon Serato. Je suis passé de l'un à l'autre, et une fois que j'y suis, je vais retrouver chacune de mes options de tout à l'heure où je vais pouvoir naviguer dans mon Serato et charger un morceau. We'll be right back.